Salut les amis! Alors, Mahondo, Yamaore, Madame Suona, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatou, GG, moi fêté, Mimi fêté, en direct de Magicavo, l'Amir. Ici, le bouchon fait rage. Le bouchon fait rage. Donc, on est obligé d'aller à pied à Mamoudzou parce que là, le bouchon, c'est depuis Magicavo. Ça avance au petit pas. Donc, info route, les amis. Mamoudzou, actuellement bouché. Ou peut-être pas. Attendons de le voir. Ça va? Attendons de bien voir ce que ça va donner. En tout cas, moi je suis descendu de la voiture parce que plus tu restes, la voiture n'a pas de clim, tu bouillis dedans. À la prison de Magicavo Coropa. Alors, comment il s'appelle? Ça, c'est une question privée, l'ami. Comme j'avais déjà... J'ai fait un live avant-hier. J'ai fait un live avant-hier. J'ai dit quelques mots de ça, donc... passe en privé pour ta question. Alors les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez. Regarde les lives, tu vas trouver. Tu vas trouver. C'était le soir que j'avais fait un live. D'accord. Mais tu peux toujours passer en privé, je te répondrai. Il n'y a pas de souci. Je réponds à tout le monde, hein, il n'y a pas de souci les amis. Alors ici le bouchon ça avance à petits pas. On avance sûrement et durement. Voilà la situation ce matin. Hey, Gemma, Bago accéléré. Virabo. Virabo ça. Donc les mangroves. Très joli les mangroves là. Bon, en sachant que ici il n'y a aucune bifurcation, on peut pas si on peut passer par les hauteurs, la route qui passe vers les hauteurs, et puis la route principale pour aller à Mamoudzou. Donc, ne vous précipitez pas, hein, ceux qui descendent à Mamoudzou, ça sert à rien à cette heure-ci. Depuis Magicavo jusqu'à Mamoudzou, c'est comme ça. Bichatou. Comme je dis les amis, chacun fait ce qu'il veut, d'accord. Ça c'est les jaloux, d'accord, les gens qui parlent mal, qui disent des mauvaises choses, que ce soit les gens du village ou autre. Ah, décharge sauvage, petite décharge sauvage, toujours ici c'est le carnage, toujours. En fait, les gens qui parlent de moi, qui parlent mal, c'est les gens qui sont jaloux. Ils n'arrivent pas,
Ils n'arrivent pas à être à mon niveau. Eh oui. Ça leur fait mal au cul, hein. Que à 37 ans, je suis à la retraite. Ça leur fait mal au cul. C'est la jalousie, ça. Faut laisser la jalousie, hein, les amis. C'est la jalousie des gens, tout simplement. Eh oui, je répète toujours la même chose, hein, parce que c'est toujours les mêmes situations. Hein. Je tiens à vous informer de la situation. Vous voulez que je vous rencontre quoi? Que je dis que Mayotte, il y a des déchets. Mayotte, il n'y a pas d'accès handicapé. Voilà l'état de la route, etc., etc. Voilà. C'est de ça que je peux parler. Je peux pas parler d'autre chose parce que j'ai besoin de situations concrètes, quelque chose de concret. Là, ici, les trottoirs, ça ressemble à ça. Donc voilà. Salam alaikum. Donc les trottoirs, ça ressemble à ça. Donc je peux que vous en parler de ça, du développement, de choses qui sont concrètes. Je peux pas inventer des trucs qui sont fausses, d'accord? Ça, c'est sûr. Ah, ok, d'accord. Ok. Donc, sachez que à Mamoudzou, la circulation ce matin est difficile. Donc, c'est pour ça, je le répète pour ceux qui sont sur la route. On me dit toujours que je répète la même chose, mais c'est bien d'être informé pour ceux qui habitent ici, à Mayotte. C'est bien qu'ils soient informés que c'est bouché ici. Ils peuvent contourner, passer par Combani et autres. Donc voilà, ça leur facilite la tâche parce que ça se peut ici, c'est bouché. Mais l'autre côté vers Passmaïti, Combani, ça roule bien. Donc voilà, vous pouvez jauger entre les deux. Oh, c'est qui a publié un truc? Ok. Donc, les gens de Mtsamboro qui ont dit que moi je suis bête et que moi je suis ci. Mais eux, ils m'arrivent pas à la cheville. Hein. Ce genre de personnes m'arrivent pas à la cheville. Donc, il faut laisser. Tu sais, moi je parle pas, je fais ce que j'ai à faire, j'accorde pas d'importance aux gens qui parlent du n'importe quoi. Faut laisser les amis, il faut. Moi j'en ai contrecarré, hein. J'avais rien à foutre. C'est pas eux qui me nourrissent, hein. C'est pas eux qui me nourrissent, c'est pas eux qui ont fait ma carrière, c'est pas eux qui ont fait ma vie. Donc, alors juste une petite info. Ici c'est un petit raccourci pour passer la rue dans les hauteurs pour sortir vers Mayotte Première. Ici ça peut vous amener très 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 vite ici en passant par là ou soit par le rond-point. Donc ici vous voyez là, sortez directement en haut. D'accord. Là on est à Magicavo Koropa, Magicavo Lamir. Et puis arrivé à cette hauteur là, vous passez sur l'intersection qu'il y a ici. Ça va. Merci à ceux qui soutiennent, merci à vous les amis, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. C'est un énorme plaisir de partager ces images avec vous, hein, de parler des choses qui sont réelles, la réalité tout simplement. Donc ici, c'est à ce moment que les taxis-motos servent. Bon, ça n'a pas lieu d'exister, mais ça existe. Taxi-moto, donc tu prends, tu arrives vite. Voilà. Quand ça bouchonne comme ça, c'est très utile. Donc ici, les parkings. Voilà, ça, c'est un petit parking, ça. Le petit parking qui va bien.
Et la surprise qui va bien. Les trottoirs qui vont bien. Ah oui. Et la tuyauterie, regardez comment ça passe. La tuyauterie. Hein, c'est pas comme chez les autres, hein, ça passe à l'extérieur. Et c'est comme ça dans tous les villages. La tuyauterie, ça passe à l'extérieur. Puis quitte à rouler dessus, c'est pas grave. Voilà. Oh, quitte à rouler dessus, hein, c'est bon. Hein. Ça gêne personne comme ça, là. Hein. Ah, surtout pas, hein, ça gêne pas. Hein. Surtout pas. Hein. Et les trottoirs non plus, ça gêne personne. Hein. Bon, bref. Ok, ok, ok. Ok, ça gêne pas, hein, c'est super. Bon, il y a des gens qui utilisent ça. Bon, c'est pas grave, c'est passé comme ça, ok. Bon, bref. Passons. Passons, passons. J'en outrepasse. Un super trottoir. On est bien là. Hein? Super trottoir. Ouais. Hein? Bon. Je ne vais pas abuser, les amis. J'en abuse pas. Surtout, j'en abuse pas. Hein? Voilà, voilà. Bon, bref. Bref. Les petits détails, hein. Je ne vais pas trop parler parce qu'on va me dire que je répète la même chose à chaque live. Voilà. Bah, on va s'attendre dans ton camion. Hein. Maintenant, on nous coupe de la route. Va quand tu as signé avant. Raconte-le, man. Oh là, ça se dispute là. Doucement, madame. Donc, on va passer par vers Jimbo, monsieur bricolage. Là, il a la dame, elle est en train de s'embrouiller. Arrache-toi, Taliban. Arrache. Donc, il a. On va prendre un téléphone. Donc ici on a le centre commercial de Magicavo Lamir. Tout léger, c'est la soif. On a un petit joli parking ici quand même, j'apprécie. Hein. On a l'impression d'être en France. On a l'impression d'être en France ici, donc ouais, Jumbo, etc., etc. Monsieur bricolage. Là, ici, c'est pas mal. Ce coin, centre commercial, avec des caddies, vous avez tout là. Eh, c'est la classe, non? Eh, on se croirait en France là. Mais quand on sort d'ici, on déchante très vite. Hein. Quand vous allez sortir du parking, après, c'est mort. Donc, ici, on a le magasin Jumbo. Aïe aïe aïe. Bon, ça reste quand même quelque chose de très propre, hein. Accès handicapé, c'est bien. C'est accessible aux handicapés, ici aussi, c'est l'entrée. Vous connaissez déjà ceux qui vivent ici. Bon, je ne vais pas rentrer dedans, hein. Je ne veux pas rentrer dedans. Oula. Eh, les marabouts là, il faut arrêter de mettre les messages bizarres là ici. Moi, ce qui me surprend un petit peu, c'est la tuyauterie. J'ai l'impression que la tuyauterie, elle vole ici. Je sais pas ce qu'ils veulent faire avec la tuyauterie. Non, je regarde en France, ça passe sous terre, tu vois. Il n'y a pas quelque chose qui est apparent. Ici, tu vas dans le centre-ville. Le centre-ville, là, on est juste passé sur les abords des routes. Et vous avez vu l'histoire. Donc, c'est pas très cool de voir ça.
Je sais pas comment ils travaillent, mais bon. Bon, je vais rien dire, hein. Après, on va dire que je parle trop, je dis trop, donc je vais pas en rajouter. Je vais laisser les images parler d'elles-mêmes. Tout simplement, quand je parle d'absence de trottoir adapté pour les handicapés, ben, il faut pas dire. Quand je parle de sous-développement, il faut pas dire qu'il y a des choses qui nous manquent. Voilà nos arrêts des pauses minutes, c'est pas un parking, l'arrêt des pauses minutes. Bon, caserne de Mamoudzou quand même. Oh, c'est super, c'est super. Bon, je passe de l'autre côté, c'est super, c'est censé avoir un trottoir ici aussi. Bon, l'absence de trottoir, c'est pas grave, hein. On peut très bien en mettre un, mais bon, voilà, c'est... On dit rien. On va rien dire. Hein? On va rien dire. Hé, ouais, non, moi, bon. Bon, mais ça soit si vite. Hé, hé. Donc la queue jusqu'à Mamoudzou, c'est ce que je vous disais. On va pas rester sur le live jusqu'à Mamoudzou. Ben, regardez, quelques déchets. Hein. C'est pas très flagrant, mais bon, c'est pas grave. Quelques déchets quand même. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Cette route, ce que vous avez vu, est-ce que ça serait pas nécessaire de mettre un trottoir ici aussi? Hein? Est-ce que ça serait pas utile? Un petit trottoir piéton en double sens. Comme la route est assez spacieuse ici, je pense qu'on peut faire quelque chose de joli. De très beau plutôt. Hein. Ah, voilà. Super. Deuxième trou, super. Troisième, quatrième. Et la suite. Trou infini. Ah, j'ai pas compris. Je passe à manger où? ?976 Mayotte, chez nous les amis, chez nous, ça c'est du sable, là du coup tu fais une sortie de route avec une moto ou une voiture, tu tapes dedans parce que le sable ça va engendrer la glissade, si tu piles tu glisses, donc avec le sable, sable gravier, hein, pas le sable tout fin. Donc tu tapes dans le mur, pas de barrière de sécurité, t'es mort. Oh oui, oui. Oui, oui, ah oui. Merci Mayotte, merci, merci. Moi je suis très heureux d'être ici. Ouais, très heureux. Mais ce que je vois, bon, on va pas en parler. Hein. N'en parlons pas, c'est bon les amis, ça passe. C'est cool. Hein? Faut pas en parler. Faut laisser les images parler d'elles-mêmes. D'accord. On a Kaweni ici. Je suis jamais monté là-haut, tiens. On a Kaweni d'ici. Superbe vue en bleu. Ouais. Superbe vue en bleu là-bas. Et aussi en bleu, l'autre côté. Bon, allez, en route. Bon, l'autre côté, il y a un super trottoir quand même. Hein. Attention, il faut pas, abuser. Hein. De l'autre côté, un super trottoir. Allez. Très beau, hein?
Donc les amis, si quand je pense quand je passe en live, si je parle de la même chose, c'est qu'il y a un message à passer sur les difficultés à Mayotte. Il y a un message à passer pour qu'on puisse avancer sur les développements. D'accord. Là, comme vous voyez, le côté ici, on va presque arriver à Kaweni. Ce côté-là, il n'y a pas de trottoir, mais voilà. C'est quelque chose. Ah, là, c'est quelque chose. Surtout, c'est cette petite portion ici. Hein, vous voyez, bon. Voilà. Il faut rien dire, les amis. Dites rien. C'est pas grave. Dites rien, surtout. Hein. Il faut pas dire. Il faut pas dire. Hein. C'est pas grave. Voilà. Alors, nous constatons. Mais il faut pas le dire. Bon, c'est pas grave. Entre parenthèses, c'est toujours pas fluide à la circulation. Toujours aussi compliqué. Toujours compliqué. Je ne vais pas tarder à vous. ...976-2022... Je vous laisse conjuguer l'ampleur des problèmes. Je vous laisse conjuguer. Hein? L'inaccessibilité, hein, d'accès handicapé. D'accord. L'impact sur l'environnement. On va parler d'ici, hein, l'impact sur l'environnement. Les gens, ils s'amusent. Dès qu'il y a un petit coin, c'est discret, il n'y a personne qui les voit. Et ils viennent déposer. Voilà. Hein? 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 Zokwel TV. Yes. Merci. Oui, c'est normal. Je suis rentré dans le coin là. Il n'y a pas de réseau, ça capte pas bien. Donc. Et ici, le réseau aussi, c'est en mode talkie-walkie. Hein. Et SFR, ça passe mieux à Mayotte. Donc, ça passe. Enfin, c'est mieux. SFR, c'est mieux. En tout cas, moi, avec les lives. Au niveau débit aussi, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Ça passe pas partout, mais ça fait l'affaire. Ça fait l'affaire, les amis. Donc, Kaweni. Alors, on va voir la petite surprise ou pas? On va voir la petite surprise en bas? Allons-y. Parce que moi, j'aime bien... J'aime bien ici, là, j'aime bien. Pourquoi on n'arrange pas ici? C'est un putain d'espace pour faire quelque chose. Il faut qu'ils arrangent ici, là. Parce que... Il y a un très beau potentiel ici, là. Pour réaliser... je mange mes mots maintenant. Pour réaliser un très beau projet... pour la jeunesse. Voilà, c'est devenu un dépôt pour certains qu'ils en profitent pour déposer. Donc ça, c'est les gens, hein, c'est les gens qui se sont amusés au fur et à mesure. Ils ont fait leur petit truc. Le terrain de foot, le petit terrain de foot qu'il y a ici, là, on le voit même pas. Donc il y a un petit terrain de foot ici, là. C'est censé être un petit terrain de foot et autour,
Le carnage. Le carnage. Bon, bref, entre guillemets, on peut jouer ici hein, tranquillement, les enfants. Bref, il n'y a pas de souci. Bon, on se déplace. Oui, il y a plein d'espace pour construire des bonnes choses. Il y a plein d'espace qu'on peut l'utiliser. Ça peut être nettoyé, l'utiliser pour... je sais pas. J'en ai aucune idée. Voilà, ici. Donc, il faut rien dire. Il faut rien dire surtout. Pour rien dire, hein. Doucement, soyez pas très... Hein. Ici, l'entrée de Kaweni. L'entrée de Kaweni. Donc, je vais vous laisser, les amis. On se fait des bisous, je vous embrasse. Je vous aime, que Dieu vous protège. On se retrouve à plus tard, Inch'Allah. Vous voyez, comme je vous le disais, le bouchon persiste ce matin. Pour ceux qui peuvent dévier vers Combani, car l'accès est très difficile. Pour Mamoudzou, vous voyez, c'est concret ce que je vous dis, hein. C'est pour ça que j'insiste beaucoup. Donc, je vous souhaite bonne route, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, Inch'Allah. On se retrouve à plus tard, Inch'Allah, si Dieu le veut.